Là, j'ai reconstitué les gens qui font des photos Instagram. En fait, ils empilent. Comme ça, t'as l'impression que c'est encore plus gros. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, il fait encore super beau. Je crois qu'on va très bien manger aujourd'hui. En plus, je vais emmener au resto Elodie qui m'accompagne dorénavant chaque jour dans la Casa Latina, donc à la radio sur Latina de 16h à 20h. Et on va préparer en fait l'émission de ce soir d'une façon très compliquée. Vous savez que c'est pas facile de bosser avec moi et sur Latina aussi. Ça voyage, ça mange et tout ça. Et ce soir en fait, on va parler des meilleures pizzas du monde et des meilleures pizzas d'Europe. Et on va avoir au téléphone Pepe. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Pepe. Son vrai prénom c'est Giuseppe, il a été champion du monde là en septembre 2019. Meilleure pizza au monde donc apparemment puisqu'il est champion du monde et en plus il est dans le classement des meilleures pizzas d'Europe. Apparemment il y en a 6 à Paris. On va à la rencontre de Pepe qui bosse beaucoup en ce moment, vous avez peut-être déjà vu des vidéos avec lui, des articles, des reportages, il est partout mais j'ai encore jamais mangé. Et ça fait 6 mois qu'il a ouvert son resto, même plus 9 mois, je crois que c'était en janvier, tout le monde me dit mais quand est-ce que tu vas manger chez Pepe? Ah, elle est là. Je suis en train de parler aux gens. Ouais. Ouais, tu l'as fait quoi ? Super entrée fracassante. Bah je disais aujourd'hui c'est un peu relou parce que je vais manger avec une fille, j'ai pas trop envie d'y aller. What? Non, je leur ai expliqué. Je leur parlais de Pépé. On prend le tramway ? Allez, go ! On va chez Pépé. Ça y est, on est arrivé. Franchement, le cadre est super. Regardez, petite église. On est en Italie ou pas? C'est l'Italie. Mais là. Ouais, t'as fait fort. Bon, par contre, faut arriver. Je conseille de réserver parce que là, on est arrivé à midi pile. Il y avait déjà des gens qui faisaient la queue et on leur demande s'ils ont réservé. Tu vois, il y a différents restos. Il y a les restos où tu arrives, le resto est vide et on te demande est-ce que vous avez réservé. Et tu dis non, ils font genre ils cherchent une place et tout. Non mais c'est vrai, ça arrive. Et après le reste de la soirée, il y a personne. Donc t'es là mais pourquoi fallait réserver au final? Il y a des restos qui se la racontent, ils font juste genre il fallait réserver, genre ils se donnent une importance alors qu'en fait ils savent qu'ils avaient zéro réservation le soir, mon tu vois. Père. On vous connaît. Ici c'est faux. Il y a des gens qui ont réservé, des gens qui n'ont pas réservé et dès midi pile, tu vois. Et là on attend Pepe qui va nous recevoir, le champion. Ah, ouais, moi je discute avec les champions. Oh, excuse-nous. Pardon. Et il est là, le voici, Pepe, champion du monde. Comment ça va Pepe? Bonjour, ça va bien? Bienvenue chez Pepe. Eh ben, merci beaucoup, bienvenue chez lui-même. Non, c'est cool. Écoute, tu as eu le titre de champion du monde au mois de septembre dernier, c'est ça? C'est ça. Champion du monde à Naples, chaque année, il y a une compétition des 1000 pizzaiolos autour du monde qui arrive à Naples et fait... Il fait 3 jours de compétition. D'accord, donc ils viennent vraiment de partout, donc c'est vraiment un vrai championnat du monde. Quoi. Il y a vraiment... C'est officiel. Voilà, c'est vraiment le truc officiel. Sinon, j'ai vu, il y a aussi un classement là qui est tombé sur les... Sur les pizzerias. Pizza... C'est pas les pizzaiolos qui est jugé, mais c'est la pizzeria. Ah, la pizzeria. Ouais. Et là, c'est les pizzerias d'Europe, c'est ça? Ouais. Et là, tu arrives, t'es dans le top 50 aussi. Enfin, cette pizzeria est dans le top 50 des meilleures pizzerias d'Europe. Depuis 3 mois. Ouais. C'est 6 mois, mais moi, le Covid, c'est 3 mois. Donc vraiment, je suis content, très content de qu'est-ce que j'arrive à faire là. C'est trop bien. Et du coup, alors, à la quoi de spécial cette pizza champion du monde? Bah du coup tu la proposes à la carte, la pizza avec je laquelle t'as gagné. À la carte et aujourd'hui tu vas la tester. Ah bah carrément. Et alors il y a un autre truc parce que tu vois je suis les gens un peu sur Instagram et il y a la copine de No Diet Club, elle a mis un truc, elle a dit c'est pas encore vraiment à la carte. Pas nous, ça là. Voilà. Et c'est quoi ça? Ça c'est une nouveauté. Ça c'est un pizza mais fait à sandwich. C'est croustillant à l'extérieur et mollo à l'intérieur. Et ça, c'est comme un sandwich à pain. Et ça tu le fais déjà ou tu le fais pas encore? Je l'ai fait pour toi. C'est vrai, tu veux bien? Oh là là. Et après, ça sera à la carte? Ça sera à la carte début octobre. Ah, génial, on va se faire ça. Oh là 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 là. Ah, tu déchires. Il faut. Okay. Et bah, go on alors. On va faire un champion du monde, un panneau. Ouais, franchement, ouais. Super. Allez, go. Donc voilà, four napolitain, biscotto di Sorrento et cupola napolitaine. Okay. Alimenté à gaz. Très bien. Ok, parce que la pizza contemporaine, elle contient une quantité d'eau plus importante que la pizza traditionnelle. Mais alors, plus on met dans la pâte, plus la pâte est légère, mais on doit faire. Kilo, ça sort de la pâte, c'est vapeur. Donc on a choisi un four à gaz, comme ça, un display, on peut vraiment piloter les grains, la gradation, et on arrive à faire un cuisson un peu plus bas que la pizza normale, 30 secondes de plus et reste dedans, et on permet vraiment tout l'eau qu'on a mise en plus d'évaporer. Ouais, donc tu peux vraiment maîtriser tout. Ce qui serait plus compliqué avec un feu de bois. Avec un four à bois. D'accord. Et du coup, quand tu as gagné la compétition, c'était avec un four à bois ou un four comme ça? C'était un four à bois. Et ça change. Un ample, ouais, c'est interdit les fours à gaz. Mais ça change quelque chose après au goût Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, au bois, c'est vraiment beaucoup mieux. Je pense que pour le nettoyage, pour le travail, c'est plus facile à travailler avec un four à gaz. Et le vrai secret, c'est vraiment la pâte de base. C'est ça la pâte. Plus... La pâte, on a changé les techniques de pressage.
riche, c'est pour ça qu'il s'appelle pizza contemporaine, pas pizza napolitaine traditionnelle. D'accord. On fait la veille en préfermento. Venez. La veille, on fait un préfermento, c'est ça, on l'a fait hier soir. D'accord, donc toujours la veille pour le lendemain. Ouais, on fait les fermentés pas lievés, okay. Donc il fait des trous à l'intérieur, comme vous voyez. Et les jours après, le lendemain, on fait la pâte dessous. Donc on a une pâte vraiment digeste à manger, très très alvéolée à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on coupe avec les ciseaux. Ah oui, j'ai vu ça, on coupe avec les ciseaux. Et pas avec la roulette, comme ça vraiment on arrive à regarder l'intérieur, la structure de la garniture. Et ça veut dire tous les pizzaiolos, tout le travail que pizzaiolo a fait. Ok. Donc voilà, ça c'est la pizza napolitaine contemporaine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le pétrissage, puis on la coupe avec les ciseaux. Et à son intérieur, on trouve une pâte vraiment légère. Ah ouais. Regardez, c'est comme une pâte à croissant. Elle est belle. Hein. Donc ça veut dire que quand on mange, les éléments se décomposent, protéines et sucre. Donc la digestion, c'est plus facile. D'accord, donc on peut en manger plus. Il n'y a même pas besoin d'aller courir après. On digère plus facilement. Donc ça, c'est là, notre pizza champion du monde. Ouais. Donc je laisse un bilan de 2 cm, mon rebord. Je l'étale. Voilà, c'est prêt. Les panuzzo, c'est la même pâte. Mais ça n'aura pas la même forme. C'est pas la même, voilà, ouais. Exactement. Je l'allonge. En fait, la pression, c'est pas trop. Parce qu'il doit gonfler au four. Aspetta un attimo, torniamo prima questo. Parmesan. Du coup, ça fait comme un, ça va faire comme une sorte de sandwich, quoi. Ouais. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans, quoi. Mais c'est plus bon. Ouais. J'ai garanti. Ouais. Hop là. Alors, pizza champion du monde. C'est de l'été à Naples, il faisait chaud. Donc, j'ai choisi une pizza qui est totalement révisée. Travailler à l'extérieur, à la sortie du four. D'accord. Donc, et puis ça, on va justement avec la tomate jaune et un peu de friandela, c'est tout. Là, on la met à cuire et c'est après seulement qu'on va rajouter. Tous les ingrédients. Okay. Voilà, bien après. Ah, du coup, ça fait une couleur un peu différente des traditionnels, quoi. C'est pour ça que j'ai gagné. Ouais. Bravo, juste grâce à la couleur de la tomate. Ouais. En fait, c'est les différents textures qu'on a dans la bouche avec cette pizza-là. Parce qu'on a la douchure, les fondants, les croustillants, les salés. Ça veut dire que chaque bouche qu'on met dans la bouche, ça claque. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ça gonfle bien. Ouais. Après, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères à l'intérieur comme, Ah, du coup, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Comme c'est comme un sandwich. Okay. Tu proposes quoi? J'ai fait mon bout préféré. Okay. Ouais, vas-y, ouais, je te fais confiance. Ah, c'est beau ça. On va l'ouvrir avec notre ciseau. Ah, c'est à l'intérieur qu'on va garnir, ok. Voilà. Après, il y aura un deuxième cuisson. D'accord. Okay. Une fois qu'il sera garni. Une fois qu'il sera garni. Mais c'est chaud, attention. Ah ouais, te brûle pas. Vous le faites à la maison, attention. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ok. Tu veux dire à tes fumées. Ouais. Tu donnes un goût plus important. Champignon de Paris. Encore un peu de ça. Et à la sortie, on va rajouter du jambon de pâte. Ah super, ah, ça va être trop bon. Voilà, on va encore une cuisson. Ouais. Alors la champion du monde, du coup, elle est sortie du four et maintenant, voilà. On va la garnir. Je vais faire comme ça et je vais faire la finition. Alors, champion du monde. Mozzarella des bouffelons, à cru. On rajoute dessus, ok. Des petits morceaux à cru. Je vous rappelle, c'était au mois de septembre. Plein été à Naples, donc une pizza vraiment fraîche. Puis il y a un an. Donc là, je vais la manger dans les mêmes conditions au niveau de la saison. Il fait chaud, il fait beau. Même date, ouais, c'est ça. Jambon de Parme. C'est important vraiment de couper les jambons au minute. On prépare ça à chaque avant les services. D'accord, ok. Ouais, comme ça, il est bien, bien fraîchement coupé. Des amandes grillées un peu et salées. D'accord. Donc, qui donne un côté croustillant. Les basilic, je ne m'arrête pas de manger beaucoup de basilic. Provolone, c'est un fromage italien du goût douche. D'accord. La confiture des figues maison. Ah ouais. Voilà. Qui nous donne vraiment un savoir incroyable. Et il n'y a plus qu'à manger. C'est ça. Allez, il faut tester. Ah ouais. Carrément. Alors de l'autre côté, panuzzo.
qui sort de la deuxième cuisson. Du coup, il y a le fromage qui a fondu et tout. Et là, tu vas le blinder de jambon de Parme. Encore jambon, ça c'est mon goût préféré. Ouais, ouais, j'ai vu ça, hein. J'ai vu que t'aimes bien. Hein. Ouais. Il en met partout. Après tout pour faire, qu'est-ce qui est tout bon. Ah, il sent bon, même avec le masque, on le sent. Voilà. Oh, regarde comme il est croustillant dessous. Mais carrément. Et mon lot à... Ah, mais ça, c'est le sandwich de fou. À table. T'entends comme c'est croustillant. Non, mais c'est de la folie. T'as vu, Elodie, elle se coupe au ciseau ici, les pizzas. Alors. Ah, c'est pas la roulette comme nous, on la massacre. Ah ouais, non. Tu sais que j'ai jamais réussi à couper correctement. Voilà, en fait, c'est pour bien garder ce bord alvéolé. Ouais. Sans l'abîmer. Là, j'ai reconstitué les gens qui font des photos Instagram. En fait, ils empilent. Comme ça, t'as l'impression que c'est encore plus gros. Et c'est magnifique. Il a mis que des bons produits en plus dedans. Et ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, c'est exactement avec la même pâte. C'est ça. Ça. Et ça, sauf qu'en fonction de ce qu'il en fait, bah, ça fait deux choses complètement différentes. La championne du monde. Ouais, là, c'est la championne du monde, ouais. Tout à fait à mon image. Ouais. Regardez, c'est trop fort. C'est pas une paille. Non, c'est une pâte. Je me disais que ça croquait sous la dent. J'étais là, mais attends, mais c'est quoi comme paille en carton? Mais non, c'est une pâte. Et ça passe bien, t'arrives à boire avec? Bah ouais. Nickel, bon, j'en ai partout. Mais ah, c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Et donc, pareil pour le spritz, avec modération. Évidemment. Allez, vas-y, attaque avec la championne du monde. Ça, c'est de la figue. Ouais, exactement. Confiture de figue maison. Mange. Ouais. Je fais une bouchée parfaite. Ah, tu connais. C'est bon, tu es intronisé. C'est super. Sérieux. Là, la figue, c'est un peu sucré. Et du coup, ça balance avec le salé du jambon. Donc, c'est trop, trop bon. Eh, hey, t'as des bonnes analyses. Eh, hey, ça regarde Top Chef, hein. Attention, Elodie Honnerre arrive. Donc là, je vous rappelle, on est en train de préparer notre émission. C'est... On est en réunion de travail. C'est bien comme réunion de travail. Bah ouais, parce qu'on va en parler ce soir à la radio. Oh là là, tiens, pendant que tu fais ça, moi, je vais attaquer le sandwich. Vous connaissez mon amour pour les sandwichs. J'ai déjà fait des sandwichs un peu à l'italienne. Un peu comme ça, mais celui-ci a l'air particulièrement bon. Comment il a bien blindé dedans. Flash spécial. Regarde de ce côté avec le fromage. Oh là 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 là. C'est encore différent des autres sandwichs à l'italienne en pâte à pizza que j'avais mangé avant l'été chez Amore Mio qui était trop bon. Là, la pâte, c'est encore autre chose. Et alors, c'est tellement blindé de fromage, de jambon. C'est de la torture que je vous fais parce que ce sera pas à la carte avant le mois d'octobre. Genre, c'est trop bon, hein. Là, c'est dans un mois. Non mais par contre, la championne du monde, elle est déjà dispo, ouais. Et elle est super bonne. Ouais. Franchement, c'est... Elle coûte 20 euros. Bon, c'est un prix de championne du monde, hein, mais il n'y a que des bons produits dessus. Breaking news, Elodie attaque le sandwich. Elle s'est fait un petit canapé. Ouais, non, mais parce que moi, je suis le genre de dégoûtante, tu sais, qui fait tout tomber tout le temps, genre qui croque et il n'y a que le pain. Ah, mais t'inquiète, ici, c'est toujours comme ça, hein, chez Florian Honnerre. Ah, là, tu veux. Dis, au moins, ça va. Allez, vas-y. Bon. T'as vu ça? Et t'as vu, c'est la même pâte et ça a pas du tout la même sensation que quand tu manges la pizza. Et plus que dans la pizza, on sent beaucoup le jambon. Donc si t'es fan de jambon italien comme ça, tu te régales. Ouais, parce que là, comme c'est en épaisseur, forcément. C'est ça, il y en a beaucoup plus, c'est une grosse couche. Exactement. Donc, non, c'est trop bon. Et regardez-moi là. Alors moi aussi, j'y vais à la fourchette parce qu'elle est tellement bien garnie, j'ai peur d'en foutre partout. Regardez-moi ça. Elle est très bonne. Hein. En fait, voilà, c'est vraiment la pâte, le secret numéro un. Et puis après, bah, la compo qu'il a fait dessus, quoi, qu'il a fait à partir de ça, avec que des bons produits. Bien sûr, on en trouve plein, des très très bonnes pizzas. Mais ça fait plaisir de se dire qu'on a mangé celle du champion. Avec des petites amandes grillées dessus, donc t'as aussi un petit jeu de texture. T'as toute la nuance, comme t'as dit tout à l'heure, entre la confiture de figue et le jambon de Parme. Quand on aime bien avoir un sucré salé, par contre, faut aimer ça. Si t'aimes pas le sucré salé, c'est pas celle-ci qu'il faut prendre, parce qu'il y a vraiment la touche sucrée de la figue. Mais c'est super. Et alors là, quand ça sort en octobre, le truc, mais prenez-le. C'est trop bon. Vous connaissez le dicton toujours terminé par une note sucré. Et du coup, on s'est laissé tenter par ça. C'est quoi ça alors? Alors, c'est des angioletti. C'est des petites boules de pizza qu'on fait frire. Ouais. Après, on les met dans le sucre. On met un peu de Nutella dessus avec la pistache. Oh, c'est génial. Friture, sucre, Nutella. On est bien là. Régime. Alors, on parle à nos coachs respectifs. Désolé. On commence le travail bientôt. Voilà. Avec plaisir. Merci. Allez, bonne dégustation. Merci. Tu sais que là, je suis vraiment en train de penser à ma coach que je vois demain matin à 10h. C'est ma première séance officielle avec elle. Elle m'a dit donc, t'as l'air un peu lourde, Elodie. Tu fais, bah, je comprends pas pourquoi. J'ai mangé un sandwich sur pâte à pizza, une pizza championne du monde et après des.
des beignets, des petits... Nutella pistache. Voilà, vas-y, hein. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. C'est vrai ? Ouais, celle-là, tiens, celle-là, elle t'appelle. Ouais. Ouais, tout à l'heure. Oh là là. Désolé, coach. Du coup, dedans, il y a du Nutella ou c'est juste à l'extérieur ? C'est à l'extérieur. Ouais, c'est des petits beignets en pâte à pizza, quoi. Ouais. Oh là là, on a tellement bien mangé. C'était trop bon. Voilà, et regarde, on passe rue Florian. Ouais. Il faut rajouter, t'as pas une craie ? On va rajouter Honor. Le mec, bah bon, ta mégalo. Ta mobilité est pas top. Hein. Et comme par hasard, il y a quelqu'un qui a mis un autocollant super steak. Ouais, est-ce que ça a un rapport ? La Casa Latina avec Elodie et Florian. Et nous avons tellement bien mangé ce midi que là il est 19h10 et que je peux vous dire que je n'ai toujours pas faim pour le repas de ce soir. On était vraiment bien servis en même temps. Avec Elodie, nous sommes allés chez Pépé, champion du monde de pizza 2019, qui conserve son titre cette année parce que du coup il n'y a pas eu de championnat à cause des événements. Et on a trop bien mangé, c'est dans le 20e arrondissement et on a Pépé, le champion, en ligne, comment bonsoir. Tu vas ? Bonsoir à tous, bonsoir, ça... je suis chez moi, Pépé. Ah Pépé, franchement, mais comment ça se fait qu'elle est si bonne cette pizza ? C'est quoi ton secret ? En fait, mon objectif, c'était vraiment de faire rêver les gens pendant qu'ils mangent des pizzas. Donc, on a changé un peu la technique des pétrissages, les toppings. Et c'est pour ça que la pizza, ça devient vraiment un rêve pendant que tu manges, tu peux voyager. C'est ça, on a adoré parce que tu mets une confiture de figues dessus, non ? Ouais, pour contraster les salés et les croquants des amandes et du jambon, la graisse de la mozzarella di bufala. Oh là là. Après, on a la confiture de figues qui claque tout, quoi. Elodie, t'en as pensé quoi ? Mais justement, c'est ce que j'ai dit ce midi, que c'était superbement équilibré. On avait la touche sucrée qui contraste avec le salé du jambon et honnêtement, ça fond dans la bouche. La pâte, elle est juste cuite comme il faut. C'est un régal. Et bravo, ah. Pépé. Tout le monde te le dit depuis un an, mais on te le redit au risque de radoter, on te redit bravo encore. Ah, hein. Mais il faut quand même mettre à jour des nouveaux persos qui me l'ont dit, comme ça je suis sous. Ouais. Et ben on met à jour, c'est toujours aussi bien. Oh là là, j'adore Pépé. Quelle journée on a passé tous ensemble. Merci Elodie de m'avoir accompagné. Merci à toi, c'était trop bon. Et puis on se retrouve de 16h à 20h tous les jours sur Latina aussi. Ouais. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honor. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honor. Ciao. Florian.